Le film qui m'a le plus marqué, c'est Le Village de M. Night Shyamalan, sorti en 2004. C'est un film qui m'a marqué parce que je me suis rendu compte avec ce film-là de ce que pouvait offrir le cinéma, que ce soit tant au niveau de la réalisation qu'au niveau de la musique, qu'au niveau des acteurs. Et l'ensemble du film a fait que j'avais envie de continuer à vivre dans cette espèce de village, et à chaque fois que je regarde ce film, je retourne dans ce huis clos qui finalement n'en est pas un. M. Night Shyamalan a réussi à énormément me surprendre, lui autant que ses acteurs qui sont absolument parfaits, et la musique aussi est vraiment... Elle correspond parfaitement à ce qu'a voulu dire le réalisateur, et du coup il y a un espèce d'ensemble homogène avec ce film qui est à la fois parfait et qui offre quelque chose de vraiment incroyable. Et j'ai vraiment une mention spéciale pour Adrien Brody, qui à la fois est reconnaissable puisqu'il n'a aucun maquillage et qui pourtant joue un personnage qui le distingue complètement et qui fait que j'ai pas l'impression de voir Adrien Brody, j'ai l'impression de voir vraiment le personnage qu'il interprète à travers ce film.